pourquoi faire des vidéos sur le loup alors que nous sommes sur une chaîne consacrée aux chiens? Le chien est un mammifère carnivore de la famille des canidés, qui comprend aussi le loup et bien d'autres. Tous les chiens descendraient du loup. Celui-ci serait leur ancêtre. C'est-à-dire que le chien serait la sous-espèce du loup, appelé Canis lupus familiaris, qui lui est l'espèce appelée Canis lupus. En sachant cela, nous pouvons naturellement avoir l'envie et la curiosité de découvrir cet animal si proche génétiquement comme physiquement de notre chien. Mais aussi, comme beaucoup de personnes, moi y comprise, quand on adore les chiens, on adore les loups, on va donc plus naturellement s'y intéresser. L'objectif n'est pas de réaliser ces vidéos parce que le chien est un loup, ni de le dire. Ils se ressemblent, sont de la même famille, canidés, mais restent deux espèces différentes. Le premier objectif est donc simplement d'étudier le loup, de comprendre comment il fonctionne, d'observer sa manière de communiquer et de se comporter. Quel animal est-il réellement sous son pseudo de grand méchant loup ? Le deuxième objectif est de pouvoir partager des informations pour satisfaire la recherche d'informations et la curiosité des passionnés du loup. Le troisième objectif est de peut-être pouvoir s'apercevoir qu'ils ont plus en commun que ce que l'on peut s'imaginer. Peut-être grâce à celui-ci, nous comprendrons énormément de choses sur nos chiens et notre relation homme-chien. Même s'ils sont deux espèces différentes, peut-être ont-ils des choses communes. Le chat marque son territoire, ainsi que le chien, l'ours, la belette et bien d'autres. La chauve-souris hiberne, ainsi que l'ours, la grenouille, le hérisson et bien d'autres. Ils ont des points en commun et pourtant ils appartiennent tous à une espèce différente. Il serait donc intéressant de chercher et de trouver les points communs entre le chien et le loup s'il y en a. Ce qui est important pour pouvoir apprendre et trouver ce que l'on cherche dans ces vidéos, c'est de ne pas être sous influence, car l'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à comprendre. Alors oublions les préjugés, car les préjugés occupent une partie de l'esprit, mais infectent tout le reste.